coup, on est samedi 20 novembre, il est à peu près 8h30 du matin et aujourd'hui, nous allons au salon Création et Savoir-Faire qui est à Parc des Expos de Versailles à Paris et c'est mon premier vlog et pour ça, je suis accompagnée de Elodie qui est une de mes meilleures amies et qui travaille dans le domaine de la mode tout comme moi. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ça va être trop bien. Nathalie, je suis fière de vous présenter en fait l'atelier du DIY, le Nature Opéra. Donc, qu'est-ce que c'est que l'atelier du DIY? En fait, c'est très simple, c'est pour vous permettre de faire vos produits d'entretien 100% naturel en moins de 5 minutes grâce à des kits en fait pré-dosés. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous achetez un petit kit en fait. Donc, l'avantage c'est qu'on transporte plus d'eau, donc c'est très écologique. Et à l'intérieur, par exemple pour le kit ici, vous avez des petits sachets et juste trois. Parce que oui, il est possible de faire sa lessive avec juste trois ingrédients. Donc vous avez le petit sachet de copeaux de savon de Marseille, le sachet de bicarbonate de soude et le sachet de vinaigre blanc, tous venant de France et issus de PME en fait françaises. Et le principe, c'est que vous versez vos trois sachets en fait dans une bouteille. Donc voilà, dans une bouteille comme ça. Vous versez, vous rajoutez en fait de l'eau chaude, vous secouez et c'est prêt. Et vous avez votre lessive liquide, en fait 30 lavages en fait, qui est prête, prête à utiliser. Et le principe, c'est qu'on propose en fait tout un tas de produits en fait qui sont ici. Donc aussi bien le liquide vaisselle, le multi-usage, la lessive liquide, une bougie, tablette à vaisselle, pastille WC et nettoyant carrelage. Et juste pour vous montrer, si vous voulez voir ce que ça donne des petites pastilles, en fait, voilà, que ce soit la vaisselle ou le WC, c'est très facile, même principe. Vous mettez tout dans toutes les poudres contenues dans le kit dans un saladier, vous les mélangez, vous rajoutez un petit peu d'eau et ensuite vous les moulez et deux heures après vous avez ces pastilles. Donc l'avantage c'est naturel, écologique et en plus, petit truc que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les kits sont fabriqués par des personnes en situation de handicap. Donc à chaque kit acheté, vous aidez quelqu'un en situation de handicap qui est fier de fabriquer ces produits. Toutes les personnes qui travaillent sur ces kits sont mentionnées en fait, sur nos emballages et on est très fiers, en fait, on les connaît tous et on travaille en collaboration avec eux. C'est super. N'hésitez pas, c'est l'atelier du DIY. Super, merci beaucoup. Pourquoi je souris derrière la masque, tu vois rien du tout. Bah non, tu nous as fait un premier craquage. Qu'est-ce que c'est? C'est de la corde. De la corde. Tu vas faire... jute, je crois. Jute, ouais, ça c'est des jutes. Ouais. Voilà. T'es contente? Faire de jolies décorations. Premier craquage. Au suivant.
Et voilà, donc on est au salon depuis 9h30 ce matin. Là, il est à peu près 4h. La journée est longue. C'est, par contre, voilà, les idées, elles fusent. Nous, on ne va pas tarder à y aller. Voilà, j'ai d'autres projets pour ce soir, donc je ne peux pas rester malheureusement jusqu'à la fin du salon, jusqu'à 18h. Donc nous, on ne va pas tarder à y aller, mais par contre, voilà, on a fait plein d'idées, plein de choses. On a rencontré plein de personnes, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Moi, comme tous les ans, je me dis, je vais faire attention à ne pas trop dépenser. Pas du tout. J'ai pas arrêté de dépenser. Je vais me faire tuer par mon copain. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté des choses que je sais ce que je vais faire. C'est pas juste du craquage comme ça. C'est vraiment, voilà. Je prends, je sais ce que je veux faire. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire avant de demander, avant d'acheter. Donc, j'ai plein de prochains petits projets perso. Si jamais je peux les faire en tuto, bien évidemment, je vous les fais. Et ce sera avec un plaisir d'ailleurs de vous les sortir. Donc voilà. Donc bien sûr, moi sur mes réseaux sociaux, j'ai informé que j'étais au salon aujourd'hui. Et je me suis même fait, rien que pour vous, un joli sweat avec écrit fait main couture et avec le beau logo derrière. Comme ça, vous pouviez me reconnaître si jamais vous me croisez. Faut pas hésiter. Hein. Coucou Camille. Je m'arrête, on discute et c'est avec toujours un plaisir que j'échange avec vous. Moi, j'espère ce petit tour de visite du salon. J'ai pas tout montré, mais j'ai montré 2-3 trucs, 2-3 stands que je trouvais vraiment très intéressants et très pertinents. J'espère d'ailleurs que ces personnes, si elles voient la vidéo, ça leur plaît et que genre, ça a beaucoup de bonnes choses pour la suite parce que vraiment, c'est des projets très 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 sympas. J'ai fait des très belles rencontres, que ce soit avec des créateurs de stands, que ce soit même avec d'autres personnes du salon qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, ou même avec des personnes qui me suivent et que du coup j'ai rencontré. C'est vraiment un plaisir. Moi, j'adore venir à ce salon tous les ans et j'espère vraiment revenir l'année prochaine et que vous soyez là aussi pour qu'on puisse vraiment échanger. Moi, en attendant, je vais retourner à mes petites affaires, je vais rentrer chez moi, trier tout ça, je vous montrerai sur les réseaux sociaux un petit peu tous les petits trucs que j'ai chinés à droite à gauche et je vous montrerai bien sûr les résultats à la fin. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, il ne faut pas hésiter à cliquer sur s'abonner en bas et activer la petite alerte et également à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très très bientôt sur Fais Ma Couture pour un nouveau tuto. Ciao.